tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ce soir pour une vidéo de la semaine, les produits terminés. Donc le sac est archi plein, il est lourd, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses. Du coup, c'est parti. Alors je vais mettre les bougies de côté et je vous les ferai à la fin, je pense. Alors tout d'abord, je pioche un multi-surface dépoussiérant de la marque Carrefour, la marque Expert. Donc, j'aime bien passer ça sur mes meubles en chaîne avec, du coup, un chiffon microfibre. Et j'aime bien l'odeur. C'est un peu comme du Oseda. Mais là, c'est la marque Magasin. Et c'est très, très bien pour retirer la poussière et laisser une odeur agréable de propre, etc. Voilà, tout simplement. Donc, élimine la poussière et fait briller en format 300 ml. J'ai fini une soupline, celle-ci c'est mon ami qui me l'avait ramenée de Ziman, c'est la Aroma Fraîche, donc il y a du magnolia et c'est 1,3 litre, elle est pas mal du tout celle-ci et ça change un petit peu du coup de la coco et de la soupline. J'ai terminé un Monsieur Propre Ultra Power au citron. Donc, c'est idéal pour la cuisine et la salle de bain. Moi, je l'ai utilisé partout. Donc, voilà. Et je l'ai même fini dans les toilettes. C'est un format 500 ml et il était très, très bien. Un gel douche smoothie de la marque Floria. Acheté chez Lidl, me semble-t-il, celui-ci. Ouais. En 250 ml. Donc là, c'était au melon et à la passion. Parfum fruité, donc il y avait des petits grains, voilà. Donc c'est pas vraiment un gommage, hein, c'est un gel douche avec des petits grains, mais il était vraiment très très bien. J'ai fini des petits sacs poubelles comme ceci en 10 litres que j'achète chez Action avec des petites poignées. Ils sont vraiment super ces petits sacs-là et ça coûte 69 centimes le rouleau, donc c'est vraiment très très bien. J'ai terminé un désodorisant que je mets dans mon appareil dans les toilettes. Là, c'était Apple et Cinnamon, donc pomme, cannelle. Très, très bien. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est pareil, c'est un format 300 ml. Là, c'est la marque Action, donc très, très bien. Encore un Monsieur Propre. Celui-ci, je l'ai terminé dans la cuisine. C'est un flash propreté dégraissant, multi-surface, sans trace. J'ai beaucoup aimé l'odeur. 500 ml, donc très très bien, comme d'habitude. Bloc WC de la marque Bref, donc là c'est au citron, très très bien comme d'habitude également. Nous avons terminé des Always Ultra, donc là c'était un jumbo pack. Nous utilisons des culottes menstruelles, mais de temps en temps j'achète quand même un paquet. Pour soit les fins de règles ou alors si on n'a pas de culotte de disponible tout simplement et ça sert malgré tout. Un déodorant acheté chez Action, le Fa Winter Secret, celui-ci il était, alors attendez, vanille, une édition limitée, j'ai beaucoup aimé, c'est un format 150 ml et j'ai beaucoup aimé l'odeur de ce déodorant. Et au niveau du coup de la qualité du déodorant, très très bien. Donc en ce moment, on ne transpire pas non plus comme des oufs. Donc c'est parfait. Alors, j'ai mis en service ma fameuse éponge Daddy, dish Daddy pour la vaisselle. C'est vraiment super pratique. Donc vous avez un manche avec un réservoir où vous y mettez du liquide vaisselle. Et franchement, c'est tip top. J'aime beaucoup ce gadget. Alors, les bougies, il y en a eu une paire. Hein. J'ai terminé un démêlant reconstituant de la marque Elsève L'Oréal. Celui-ci, c'est le Total Repair 5 cheveux abîmés. J'ai adoré. Là, le shampoing est quasi terminé également. Ça laisse une bonne odeur sur les cheveux. Ça les démêle très, très bien. Franchement, j'adore cette gamme-là. J'ai mis en route un nouveau mascara. Celui-ci, c'est de Maybelline. C'est le Grit Lash Mini Bross Black. Donc, ça fait 2-3 jours que je l'utilise. Et franchement, il est assez sympa. J'aime bien. Donc, il est vraiment noir-noir. Et effectivement, c'est marqué plus noir que noir. Et franchement, c'est une belle découverte. Alors, en parlant de mascara, j'ai terminé un de chez Nocibé, le Vice Versa. Et franchement, ceux de chez Nocibé, je les aime vraiment beaucoup. Donc la brosse était relativement sympa. La couleur vraiment noir-noir. L'odeur, pas d'odeur
particulière et franchement j'aime vraiment bien. Donc les mascaras de chez Nocibé, donc là c'est marqué volume, longueur et courbe. Franchement il est vraiment très très bien. J'ai mis en circulation deux petits pinceaux que j'ai achetés chez Nose. Vous avez qu'à aller voir dans mon dernier haul Nose. Des petits pinceaux sirène à 99 centimes pièce. Et franchement, ils sont très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai terminé une bombe de bain. Enfin, c'était la moitié d'une bombe de bain que mon ami m'avait achetée. Et là, c'était à la pomme. Donc, très très bien. Un paquet de rasoirs Bic, donc c'est les Twist Twin Lady, donc il y en a 5 à l'intérieur, acheté chez Action, donc très très bien. C'est pas forcément mes préférés, mais bon. Je jette un lip crème mat comme ceci que j'avais acheté chez un déstockeur. Là, c'est alors attendez, le C'est tout moi de Miss Europe que j'avais acheté au marché aux affaires et franchement, il est horrible, 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 horrible. Alors déjà, il est tout pâteux. Quand on le pose, ça assèche les lèvres et en plus ça ne s'enlève pas du tout. C'est une horreur ce produit. Je l'ai mis une seule fois et franchement je le mets à la poubelle. Et ensuite nous allons donc terminer. J'ai mis d'ailleurs il est où j'ai jeté encore d'autres choses. Et eh bien, j'ai terminé également, voilà, c'est ça que j'allais dire, une CC crème de chez Herborian que j'utilise en teinte claire et que je rachète à chaque fois. Et du coup, j'en ai remis une en route. Je n'utilise que ça, je ne mets plus du tout de fond de teint. Et je jette également un baume liquide de la marque Yves Rocher, donc qui est tout sec également. Celui-ci, c'était le 07. Il était pas mal du tout celui-ci, mais j'ai fait un petit peu de tri dans ma coiffeuse et dans mes produits. Et du coup, je jette également ce produit. Et en bougie, j'ai utilisé la Red Raspberry de Yankee Candle en votive, donc très très bien. J'ai utilisé de chez Lidl l'Hiverno, donc celle-ci c'était au coin du feu. Donc c'est des bougies, celles-ci, qui sont très très grosses. Je les ai payées 2,99€ et franchement, elles sont très très bien. J'ai fini également, la cerise vanille. Oui, cerise vanille. Comme ceci. Voilà. J'ai terminé également une grosse bougie comme ceci de la marque Triwick Soft Vanilla de chez Action. Donc c'est celle avec la mèche en bois. Donc là, il n'y a rien à dire également. Je crois d'ailleurs qu'elles sont en promo de la semaine. Et pour finir, j'ai terminé une Earth and Home. Celle-ci, c'est Ange Gardien. Donc je l'adore. Ça sent le parfum de chez Angel de Thierry Mugler. J'ai terminé une petite comme ceci, figue de Toscane. Ça sent super bon également. Hein. Donc, je les achète, celle-ci, dans une jardinerie. Et j'ai terminé toujours de la marque Earth and Home, un galet pour mon diffuseur, bois de santal et vanille, que j'adore, j'adore, en 26 grammes. Donc, voilà pour tous les produits terminés de la semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !